Le 30 juillet dernier, c'est avec une peine immense que les fans du groupe Kassav avaient appris le décès du guitariste Jacob Desvarieux. Atteint de diabète, sa santé était fragile depuis qu'il avait fait l'objet d'une greffe rénale. C'est pourquoi lorsqu'il avait été contaminé par la Covid-19 malgré 3 doses de vaccin, il avait dû être hospitalisé en urgence. Pris en charge par les équipes médicales de Pointe-à-Pitre. Il avait été plongé dans le coma. Mais après plusieurs jours d'incertitude, il s'était finalement éteint à l'âge de 65 ans. Un décès qui a suscité une vague d'émotions sur les réseaux sociaux, où de très nombreux fans mais aussi célébrités lui ont rendu hommage. Mais après le grand public, c'était au tour de ses proches de lui adresser un dernier mot. Tous se sont ainsi réunis en Guadeloupe ce jeudi 5 août, pour ses funérailles célébrées dans la plus stricte intimité, à la demande de la famille. Afin de permettre aux fans d'adresser un dernier adieu à Jacob Desvarieux, ses obsèques ont été diffusées en live sur la page Facebook du groupe Kassav. L'occasion pour les fans du guitariste de découvrir sa fille, qui a pris la parole non sans émotion. « Mes frères et moi on n'a pas énormément connu notre père personnellement, mais on a développé énormément d'amour pour lui malgré tout. » A-t-elle confié dans un premier temps, avant d'ajouter, « Des personnes qui ne l'ont jamais côtoyé ont énormément d'amour pour lui. Nous sommes en train de le voir ces jours. Même si la mort apporte énormément de tristesse. Elle apporte aussi de bonnes choses. » La première de ces choses, c'est qu'elle nous aide à nous rapprocher ce qui compte réellement. Un discours d'une profonde sincérité, qui n'a pas manqué d'émouvoir l'assistance.